voici le numéro 36, Kenzo des Brières. Kenzo des Brières, présenté par Guillaume et Florence Thomas. Le vieux cours, c'est juste à côté de Corlette. Né le 15 mai. Né le 15 mai, on parle bien du numéro 36. Un fils de Capgarde et Aumance par Vidéoroc. Voilà, le croisement de Capgarde et Vidéoroc, c'est un plaisir. Avec une grand-mère par Rapsodien et derrière ses vieux châteaux. Et la grand-mère, c'est qui? Ce n'est donc que la grande, immense, la formidable fondation Violetta, qui a tant apporté à Bruno Vagne, avec des succès imposants à Galapagos, des entraînements de Philippe Pelletier, se sont tous les deux apposés dans les premières éditions de l'Enjouleur Challenge, ici même au Lyon d'Angers, et puis après, avec les générations suivantes, il y a eu les Micador, les Concertos d'Alain, les Une Époque, les Célèbres d'Alain, et bien sûr, les deux cousins portant la lettre E de cette génération magique de chez Bruno Vagne, Espoir d'Alain et Envoi Alain. Multiple gagnant de groupe 1 en Angleterre, en voie à l'aide. Et double gagnant de groupe 1, c'était l'an dernier sur le cours de Cheltenham pour le plus grand moment de la carrière sportive de Michel et de Bruno. Alors, Aumance a été acheté par l'écurie des modes quand elle était en fin de carrière de course. C'est la raison pour laquelle elle a produit plusieurs des modes, dont la très bonne Dacia des modes, qui depuis l'apparition du catalogue a remporté deux nouvelles épreuves. Une nouvelle épreuve à Pompadour, donc elle a obtenu aujourd'hui le score de 7 victoires, et ensuite elle a été acquise par Florence et Guillaume Thomas. Et c'est le deuxième produit ici, produit par Aumance pour le compte de Florence et Guillaume Thomas, après un mal de magnifique chim né en 2019. Le 36, Kenzo et Bruyère.